Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir l'orthographe, toujours dans le cadre d'évaluation et consolidation de l'unité 4, page 136 de mes apprentissages en français concernant la quatrième année de l'enseignement primaire. Idem, nabda b'soual awel. Je classe 6 mots dans le tableau. Adna case, casquette, cousin, phrase, respecter, Sahara, désert, dessert. Je vois S et j'entends Z. Donc, indicase, cousin. Il y a des calimètres, il faut que nous S ou il y a un trop Z. Indiphrase. On dit désert. Donc, désert. Je vois S et je n'entends pas Z. Donc, on dit casquette. 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 On dit respecter. Respecter. On dit Sahara. Sahara, on dit dessert. Dessert. L'en, namour, il a su'al tani. Souligne le mot. Quand tu entends le son Z, écrit avec la lettre S entre deux voyelles. Zakaria travaille dans une usine. Donc, usine, on dit S. Jette bin deux voyelles quatre z. Il participe à la fabrication de grosses valises. Valise, htaya. Andi S, jette bin deux voyelles. Le samedi soir, il sort avec son épouse. Épouse. Donc S, bin deux voyelles. Et ses voisins. Voisins, hta S, jette deux voyelles. Pour voir des spectacles amusants. Donc hta amusante. On dit S, bien deux voyelles. Donc S entre deux voyelles se prononce Z. Deuxième sous-elle, telit. Accorde l'adjectif avec le nom qu'il qualifie. Donc lourd. Kangourou, un seau lourd. Une valise lourde. Donc lourd d'éléphant. Une valise lourde. E à la fin. Gras, kangourou, un canard gras, S à la fin, des oies grasses, donc grasses, ES à la fin, mûr, un fruit mûr, donc R à la fin, des abricots mûrs, S à la fin. Mûrs, S à la fin. Quand j'ai S. Long, un long chemin. Un long chemin. Une longue marche. Une longue marche, E à la fin. Juteux, une orange juteuse. Juteuse. Il y en a féminin. Des fruits juteux. X à la fin. Des fruits juteux. Numéro 1, il est sous le rabais. Réécris ces phrases en remplaçant le groupe nominal souligné par un groupe nominal au féminin. Na boutique. Na chaussure. Bicyclette. Un nouveau magasin vient d'ouvrir. Une nouvelle boutique. Une nouvelle. Donc l'adjectif s'accorde avec le nom. Une nouvelle boutique. Un kemlo. Donc vient d'ouvrir.
vient donc vient d'ouvrir. Si souliers neufs, غادي نقولوا chaussures, donc c'est chaussures neuves. Donc c'est chaussures neuves. Donc neuf, كتولي neuf. Donc V E S me font mal au pied. Nkemlo me font mal au pied. Ce beau vélo, donc cette belle bicyclette. Donc cette belle bicyclette. Donc on va dire cette belle bicyclette. Donc coûte 1000 dirhams. Coûte. Donc Nkemlo jusqu'à la fin coûte 1000 dirhams. نمر الآن إلى السؤال الخامس. Écris trois mots de ton choix avec un S entre deux voyelles. Donc, on peut dire par exemple cousine, cuisine. On peut ajouter par exemple donc valise. S entre deux voyelles. Écris les phrases ou bien des phrases avec des mots de l'exercice 5. Donc, cousine, cuisine, valise. Donc, les mots هادو غادي نستغلوهم وغادي نركبو منهم جمل. Donc, ma cousine s'appelle Aya. Ma cousine s'appelle Aya. Cuisine. Ma mère, donc range la cuisine, valise, donc je prépare ma valise. نمر الآن إلى السؤال الموالي السؤال السابع. Ajoute un adjectif qualificatif à chaque nom souligné. Donc fleur. Sonia a mis donc les fleurs rouges par exemple rouge S à la fin les fleurs rouges dans un vase dans un grand vase par exemple dans un grand vase. Le maçon a construit donc maison de par exemple de belles S à la fin maison de belles maisons. On a acheté des œufs donc on a acheté des œufs dans ce village donc des œufs frais par exemple frais taria S à la fin dans ce petit village ou bien dans ce joli village, donc petit village qui a fait ses dessins, ses jolis dessins, ses magnifiques dessins, donc magnifique, si magnifique, ES à la fin, dessin. Donc, أصدقائي نهاية الحصة موعدنا إن شاء الله في الحصة القادمة للإجابة عن الصفحة 137 137 à propos l'écriture copie production de l'écrit édicté. كونوا في الموعد إلى اللقاء.